Yo yo yo, comment ça va? Petit stream d'après-midi. 15h44. Bon, on va être ensemble jusqu'à 18h à peu près, je pense. J'ai rendez-vous chez le médecin. Et après, je rejouerai ce soir. Bon, du coup, pour info, un petit texto de Jesse de la Syrie. Il me dit qu'il a eu un contact pour de la weed et qu'il est fait à 70 $. L'unité. Alors ça, pour moi, je trouve que c'est super intéressant. Donc, voilà. 70 $, c'est intéressant de fou de fou. Donc, est-ce que j'ai suffisamment de bouffe? Je vais aller au Black Cat. On va aller récupérer de la bouffe. Et du coup, alors, je m'étais fait un Google Sheet. Je m'étais fait un Google Sheet pour me préparer, comment dire. Je vais me le mettre en. Alors, hop. Voilà, comme ça. Nickel. Donc, objet. Donc. Là, on aurait de la weed. La weed, je vais le mettre en vert. Et du coup, le groupe. Bon, pour le moment, on sait pas. Donc je vais le laisser. Je vais le laisser sans rien. Comment je fais pour centrer déjà? Hop, alignement au centre. Voilà. Nickel. Voilà, je me fais un petit truc. C'est très. Comment dire? Très rapide, mais ça me servira. Voilà, donc du coup, je sais qu'on a un groupe qui fait des pochons à l'unité à 70 $. Donc je me le note. Voilà, 70 $. Et voilà. Allez, du coup, on va aller au Black Cat, tranquille. On va aller chercher à bouffer. Ah putain, le frein. Ah d'accord. Je savais pas ce que c'était. Le frein est sur un vélo, c'est A quoi. On va tenter, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. J'ai combien en thunes là sur moi? 2367, ok. Bon, en vrai, j'ai des tickets donc. Je vais gratter jusqu'au bout. Hein. Par contre, c'est chaud pour les médocs. C'est Human Labs. Moi, à vélo, bisous quoi. Yoman. Je me disais, je t'ai reconnu. Bah moi aussi, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah ça va J'allais te tranquille, répondre à tranquille. ton message là. Ah bah tu vois, bah là je me suis levé et j'allais me prendre à bouffer et puis j'allais faire un tour à la Syrie quoi. J'ai exactement la même. Ah bah tu vois. Bon du coup c'est cool du coup, petit contact là, tu disais. Ouais, il m'a appelé hier soir. Je lui ai dit que bah moi,
Aujourd'hui, ça va être chaud, mais demain soir, je peux commencer en soi. Ok. Et après, ça ira en fonction du PPA, quoi. Ah oui, putain, c'est vrai, avec toi, tu voulais passer le PPA. Avec, du coup, si tu te fais choper pour. Moi, après, ils peuvent te l'enlever. Pourquoi? Juste si tu braco avec, ils peuvent te Ouais, si je le. braque quoi avec, ouais. Ouais. Je pense pour de la vente de dope, tant que j'en ai pas sur moi, c'est bon. Ouais, donc c'est pour ça, ouais, tu préfères attendre. Ouais, après, je Ouais. comprends, je comprends. Que si je commence à avoir un casier avant, ils vont pas vouloir. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. De ouf. Même je pense pour les entretiens, vas-y, je vais me prendre un costard. Ah ouais! Faire le mec sérieux. Oh, let's go! Oh, vas-y, je veux voir ça, moi. Une petite chemise. Bien, t'as vu? Bon, vas-y, Ah je. Et Thomas, il m'a rappelé encore. Hein. ouais? Ah non, moi ça va. Allez, Attends, plaisir. fais voir. J'ai pas regardé mes appels. Là, il veut qu'on monte un Non, groupe, c'est bon. qu'on officialise un truc. Oh non, mais vraiment, mais lui. Oh, lui, c'est vraiment le mec avec qui j'ai pas envie de taf. Je lui ai dit, vas-y, moi je prends mon temps. Ouais. Bah, moi, de toute façon, je lui ai Moi dit je ça prends mon pareil, temps. hein. Toi, je lui ai dit, si t'es chaud, vas-y, monte ton truc. Je te rejoins Ouais. après. Ouais, c'est ça, ouais. Pour pas lui dire, non, vas-y, tu me fais Ouais. chier. Ouais, non, non, ouais. Ouais, non, moi, c'est pareil. Le mec. Enfin, en plus, je lui précise, je lui dis, mec, je suis arrivé aujourd'hui. Le mec, ah non, t'inquiète, je t'avance 3 000 de dope, tu ne dois rien. Enfin, non, Et il veut acheter mais. un appart à 130 000 maintenant. Non, mais c'est. Oh, pff, non, mais. Le mec. Le mec, il est déjà dans le futur, mais beaucoup trop loin pour moi. Ouais, il fait des plans sur la comète là. Ah non, de ouf, de ouf. Bon, du coup, on se retrouve à la série. Ah bah vas-y, écoute, moi je me prends à bouffer, j'arrive. Ouais, ou sinon, ouais, vas-y, on fait comme ça. Vas-y Ah à bah toute. vas-y, vas-y à toute. Ah putain, man, j'ai oublié ma thune. Ah, ça casse. Ça, par contre, putain, retirer. Attends. Le plus proche, ouais. Ouais, le plus proche, c'est en face, ouais. Il n'y a pas de. J'adore la petite dégaine qu'il a à Taj. Vraiment le coup, le pantalon dans les chaussettes, moi c'est juste le truc qui me fait mourir de rire. Non mais vraiment. Non mais. Je veux bien que vous ayez les gyros, mais. Bande de salauds! Alors est-ce que ça a bugué encore? J'ai un problème avec les distributeurs, moi, vraiment. Ça n'a pas marché. Alors, est-ce que c'est un bug connu ou c'est juste moi qui. Attends. Ah, voilà, c'est bon. Musique de taré là. Oh putain, truc des vagos. Elle était pas mal celle-là. J'ai décidé de mettre une petite playlist bah de 21 quoi, histoire de quand même. Merde, je l'avais pas fermé. Yo les filles.
Oh là 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 là, une comète S2, putain. Qu'est-ce qu'on a un peu comme véhicule? En vrai, putain, s'il arrive à Chocho, la Penumbra FF, ça, pour faire des supérettes en début, c'est trop fort. Ça va, ça a pas une, comment dire, une VMAX de ouf, mais par contre, en termes de maniabilité et tout, Déviant est une comète. Bati, Maverick, ça c'est l'hélico, je crois, non? Ouais, ça. Bifta, Vamos, Sanking. En vrai, le sang, putain, le Sanking, c'est, putain, c'est le XL en plus. C'est le 4 places, c'est tellement fort ça. Dominator. Nightshade. Peyote. La Tyrande de Parnasse, putain, incroyable. Je sais pas si la musique est. Je vais peut-être la mettre un peu plus forte. Ouais, on va mettre comme ça. J'essaie de trouver un peu sur YouTube s'il n'y a pas des mecs qui ont fait des playlists ou des trucs comme ça. Déjà là, il est sur SoundCloud, c'est pas mal. Donc c'est un peu particulier. 9 tacos et 12 oranges 4, s'il vous plaît. Yes, on vide un peu le frigo, donc et qu'est-ce qui reste? Ouais, Walker. Et voilà. Ça marche. Quoi? Nickel. Super, merci bien. Merci, vous aussi, bon courage. Au revoir. Bonjour. Il me faudrait de quoi manger, boire pour un ticket, s'il te plaît. Ouais, vous voulez quoi dans votre ticket? On a des burgers, tacos, catfish, Tacos, si possible. tacos. Ouais. Bon, un ticket. Et Orange 4. Orange 4. Ok. Hop. Il me faut juste votre nom.
Ouais, TJ. TJ. Un T, un J quoi. Un T, un J, ok. Et le ticket. Yes, tenez. Ok, bah je reviens avec tout ça. Attends, nickel. Bon voilà, je me suis préparé ma petite, comment dire, mon petit fichier compta. Alors, est-ce que je peux le montrer? Comment je peux le montrer? Ah si, je sais. On va passer en mode capture. Voilà, hein. Rien de compliqué pour le moment. Je me suis amusé à mettre le petit logo. Voilà, groupe. Pour le moment inconnu parce que c'est un contact. L'objet, donc là, la weed. Je sais qu'on a 70$ l'unité. Voilà, rien de plus compliqué. Après, je ferai, comment dire, je ferai mumuse avec, mais... Hop. Du coup, on a dit tacos, deux tacos, que voilà, plus deux frites, que voilà, et 6 oranges 4. Voilà. Nickel, mec. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bah, merci à vous aussi. Merci. Ciao. Putain, qui fait... En vrai, c'est... Comment dire, c'est incroyable la qualité des graphismes pour un jeu qui date quand même. C'est un truc de ouf. Bon, voilà, du coup on est prêt, tranquille, aller bosser. Si je fais toujours tout droit. Ouais, non, faut que je descende. Je sais pas où je vais passer. Là, c'est là pour le moment, voilà, c'est la tenue de départ et c'est un peu la tenue du pauvre. Hein. C'est des fringues qui coûtent que dalle, c'est les fringues les moins chères. Elle est vraiment stylée cette musique. Putain, si le truc il pète. Ah non, c'est bon, il y a des pop. Putain, les shérifs.
stylé de ouf ce son. Ça c'est quoi ces vieux drops de FPS que j'ai? Ouais, yo. Ouais, j'arrive. Ouais, yo. Ouais, non, mais j'ai une petite question. Ouais. Parce que là, je peux. Le mec pour la Penumbra, il est dispo là. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen que tu te gares, genre, un garage. Un garage. Bah, de toute façon, je me gare au truc de la Syrie là, non? Au pire. Ouais, au truc de la Syrie, ça dépend si t'es loin ou pas. Bah, non, non, vas-y, je suis là dans même pas une minute là. Ok, ok, ça marche. Après, comme ça, si tu peux m'accompagner au Comico pour récupérer ouais. La moto. Ouais, vas-y, tranquille. Vas-y, nickel, merci. Vas-y, à toute. Oh, du coup, il te l'a fait à combien? À 55, du coup. Oh, bah vas-y, nickel. Il faut juste qu'il confirme le rendez-vous au PDP là. Ouais. Vas-y, bah tu sais quoi, en attendant, je vais aller chercher la thune. Vas-y. Ouais, tu vois. Bah ouais, vas-y. Comme ça, après, tu peux prendre la moto, en vrai, tu peux la ranger dans le garage, toi, comme ça, t'as un véhicule aussi. Oh putain, c'est quoi ce casque de merde? Tu veux passer le changer? Je sais pas, ça dépend, ça coûte cher ou c'est obligé déjà les casques? Non, je crois pas, non. Oh bah vas-y, on s'en bat les couilles alors. Oh là là, ce casque de bricoleur là. Ouais, du coup, moi le contact qui m'avait filé là, Thomas, j'ai même pas contacté là. Ouais. Ouais, moi je pense que c'est le même, tu me donneras le numéro et je vérifierai. Ouais, vas-y. Attends. Il a dit il est là dans 10 minutes. C'est Samuel? Non, bah, c'est Carmelo. Ah bah non, tu vois, c'est pas le même alors. Oui. À moins qu'il me donne un faux nom, Thomas, et que c'est le même numéro, alors ce serait tellement drôle. Ils vont me donner ça dans une mallette là, je pense. Ah bah je sais pas. Ah putain, il est pété d'oseille. Braquez-le. Tu peux la porter pendant que je conduis, gros. De quoi? Je te la file 2 secondes là. Hop. Ouais, vas-y. Parce que là. Ah sinon tu vas galérer. Ouais.
Je dis bah... En limite, si tu veux changer ton casque, on peut passer, on a le temps. Bon, vas-y, au pire, il y a une boutique là, juste à côté. Ouais. Bon. Oh. Bah, c'est elle, je crois, la pénombre. Oh, vas-y. Alors, combien ça coûte? Non, je suis plus riche quoi. J'ai tout perdu. Oh bah tu m'étonnes. Oh, y a des cas... oh là là, mais ça coûtait un... Putain, j'avais pas vu les prix. Oh là là, mais vas-y, bah les couilles. Ils sont à 500. Ah, oh, ils sont 500. Non mais vas-y, bah les couilles. Ah, ça sera pas la priorité. Hein. Ouais, tu prends juste un masque et des lunettes en vrai. Un masque et des lunettes. Ah ouais, d'accord. Ouais, pour les, ouais, pour les moustiques ou les trucs et tout. Ouais. Quand je suis repassé hier soir, il y avait deux ou trois voitures de keuf accidentées ici. Mais en même temps, et t'as vu déjà le carnage qu'on a vu hier soir? Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, moi non plus. Je te file les clés de celle-là. Ouais, vas-y. Dis-moi. Ah, elle est stylée, hein. Simple mais efficace. Oh, ça fait le taf, quoi. Ah, en ouais. Vrai, de ouf, hein. De ouf. Je connais pas trop les perfs, mais je sais que c'est pas dégueu. Bah, je pense que ça a pas une vitesse de max de ouf, mais par contre, ça doit être ultra maniable et ça doit avoir une grosse accélération quand même. Parce que c'est une petite fusée, ce truc. Ouais. C'est le mec qui est hôtel, mais je suis pas sûr. Putain, Carter, c'est qui là-bas? C'est Watson? Non, c'est pas Watson. Du coup, le numéro du contact là? Ouais. C'est le. Non. C'est le 8708. Ah non, je l'ai pas. Non, c'est pas lui qui m'a filé. Ok. Putain, Carter, je suis sûr que ce connard il m'a. Il fait deux contacts différents. Ouais, bah, déjà ton contact, vu le prix, c'est un contact plus intéressant et sérieux, on va dire. Parce que le contact de Thomas, moi. Alors, ça se trouve, en fait, il m'a rien dit. C'était le contact chez qui il voulait m'avancer de la dope, là. Ah, ouais, ouais. Après, j'en sais rien, ça se trouve, son contact, il est bien, tu vois. Mais bon, c'était juste, on va dire, l'intermédiaire qui était un peu chelou, quoi. Ouais, tu vois, il m'a dit genre, nous, on doit acheter 70 le pochon. Ouais. Et je sais pas combien on peut le revendre. Moi, si on le revend à 80, en vrai. Oh bah, si tu te fais 10 balles de marge là-dessus, pouf. Par pochon, c'est un peu chaud, ouais. Ah, c'est chaud de ouf, ouais. Après, faut tirs de après, Thomas, c'est 2500 balles de bénéf par tournée. Enfin, il se fait 2500 balles par tournée. Sur de la weed? Je sais pas. Il m'a juste dit, il parlait de tournée, donc. Okay. Bon, après, en vrai, faut tenter, tu vois. Faut voir un peu le contact. Ouais. Je pense en vrai, ouais, comme on dit, tu vois, tu fais une petite tentative, tu vois combien ça te rapporte, tu vois les risques et voilà quoi. Bonsoir, messieurs, est-ce que je peux vous aider pour quelque chose? Yo. On vient pour acheter la pénombre. Putain, c'est Watson. Le proprio est au téléphone donc. Okay, bah, je vais attendre juste à côté. Ouais, ça marche. J'aurais dû lui gratter des infos sur ce qui s'est passé hier. Ah ouais, il y a moyen de... Il y a moyen encore, je pense. Mais en tout cas... Putain, d'ailleurs, je crois... Mec, je crois que j'ai roulé sur un keuf qui était par terre, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y en avait un qui était en plein milieu de la route. Hein. Bah ouais, en fait, moi, j'étais en train de regarder à droite et je crois que j'ai décalé un peu à gauche et j'ai entendu un bruit bizarre. Ouais, bah de toute façon... De toute façon, il était déjà au sol. Hein. Ouais. Normalement, j'espère que j'ai pas aggravé son cas.
Après, bon, j'espère c'est un cas, on s'en bat les couilles, mais. Ouais, j'espère que c'est pas comme moi qui ai bouché un incendie. Hein. Ah, à peine touché, c'est ça? Oh putain. Ah oh, bah ouais, de ouf. Putain, y'a Ras, putain, non. Et bonjour. Yo yo yo. Et bonjour. Du coup, c'est vous, monsieur Maldwin, c'est ça? Oui, bah, c'est moi. C'est moi qui vous ai contacté. Une vente de véhicule. Oui. Yes. Est-ce que je pourrais avoir le permis du perso? Oui. Hop. Hop. Nickel, merci. C'est pour la pénombre, du coup? Yes, c'est pour la pénombre. Et du coup, monsieur l'agent, il s'est passé quoi hier soir là à côté de la Syrie? On avait dit 55 000. Hein. Il y a eu pas mal d'incidents avec des individus qui. Étaient au niveau de la boucherie. Ah bah ouais, on a bien entendu les tirs hein, parce que moi je suis passé en camion au moment où ça commençait à tirer et ouais, c'était chaud et puis ça a tiré pendant longtemps. Et il y avait des collègues à vous par terre et tout, c'était, ouais, c'était chaud. C'est assez compliqué. Ouais, j'ai mal assez. Le terrain est assez compliqué. Les suspects étaient acharnés, on va dire. Ah, d'accord. Il y aura un communiqué bientôt. Oui, parce que nous, on est passé à travers. Et tout le monde qui prenait des couvertures derrière leur caisse. Est-ce que je peux avoir le permis de l'acheteur, s'il vous plaît? Merci. Donc l'échange n'a pas été effectué sous la contrainte? Du tout. Vous avez fait l'échange monétaire? Vous avez pas été blessé que votre camion? Oui. Oh bah non, nickel. Hein. Okay. Nous on est passé au travers. Hop, je vous laisse vérifier sur votre internet pendant que je vérifie de mon côté. Normalement, ça devrait être bon. Et c'est nickel pour moi. C'est tout pour moi. Essayez de gratter des infos. Nickel. Et c'est bon pour moi aussi. C'est parfait, messieurs. Ah, merci. Bon après-midi, bon courage. Ouais, vous aussi. Vous avez besoin que je vous amène quelque part? Non, bah, vous savez, je suis déjà au boulot là, donc. Ok, ça marche. Je vais juste déposer les sous et puis on est bon. Ok, ça marche. Eh bah, merci beaucoup. Eh bah, profitez bien. Merci. Allez, bonne journée. Voilà, bonne journée. Du coup, on se retrouve à la Syrie. Bah, vas-y, let's go. Vas-y. Ouais, par contre, gros, fais gaffe au radar, hein, parce qu'à mon avis, avec ça, tu vas te faire mal. Hein. Ouais, t'inquiète, je connais le radar sur le chemin. Allez, vas-y, à tout. Oh, c'était chaud. L'accélération est carrée. Hein. Ah bah ouais, et puis j'ai vu que t'as voulu faire un petit drift, mais à mon avis, elle a tellement d'adhérence que ça va pas drift du tout. Ouais, en fait, c'était juste la prise en main, mais là j'en ai fait un sur le dernier virage, il était pas mal. Et tu peux l'arranger, en vrai, ça te fait un véhicule motorisé. Ouais, mais de toute façon, il y aura que toi qui pourras le sortir, non? Ah ouais. Même peut-être. Si c'est moi qui le range, tu vois. Ouais, bah. Je crois, hein. Vas-y, je le range. C'est jamais. Ouais, à mon avis, il y aura que toi qui pourras le ressortir. Ouais, attends, je check. Moi, vas-y, t'inquiète. Ouais. Bon, ouais, tranquille, ouais, je la sors, de toute façon. Ouais, non, mais de toute façon, après, t'inquiète, hein, déjà.
Je te dis, s'il faut faire un peu de deal, en vrai, le vélo... Ouais, le vélo, c'est pas mal. Le vélo, ça fera le taf. Hein. Faudrait que je sorte mon vélo aussi, je l'ai pas sorti du garage central, garage BE. Ouais, j'ai vu, je suis allé voir un peu la concesse, là, ça coûte que dalle, une petite Sanchez, là. Ouais, c'est 6000. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, que dalle, ça, c'est pas... En vrai, c'est pas très cher. Bah, parce que c'est, je pense, c'est un des meilleurs... rapport utilité et prix que tu peux avoir au bah ça passe partout bon après c'est pas très rapide mais le but c'est pas ça quoi, c'est juste de pouvoir te faufiler partout et d'être tranquille à la pénombre même sur du plat là elle galérait plus que la Sanchez hein. Ah ouais là, je suis monté à 170 bon je suis monté deux fois plus vite qu'en Sanchez mais ouais, c'est ça. Après, c'est ce que je te disais, je pense qu'elle a pas une VMAX de ouf, mais par contre, elle doit avoir une grosse accès. Ouais, c'est ça. Donc, dans les petits virages, dans les ruelles, c'est nickel. C'est ça. Bon, mais il y a personne. Ouais, peut-être des gens à la mine. Il y a quelqu'un au fond, je crois, non? Ouais, c'est juste un employé. Ouais, ouais. Vas-y, je vais mettre la tenue comme ça, on passe inaperçu, man. Vas-y, vas-y. Et on est y pas. Ah, et ça dégage. Ça, c'est tellement bien aussi. Les civils, tu t'en bats les couilles si tu les shootes, quoi. Parce qu'avec Perez et l'SPD, bah, j'étais tout le temps en train de m'arrêter, de faire des massages cardiaques, etc., etc. Là, rien à foutre, hein. N'empêche, il me tarde vraiment de voir le vol de voiture pour les petites mains. Hein, parce que vraiment, ça me taraude. Allez, ça dégage.
Oh, je l'ai juste. Sodome et Comore, quoi. Bûche. Oh il a failli se retourner, quoi. Je sais pas si la musique est pas un peu trop faible. Putain, c'était un peu chaud là, Kissine. Qu'est-ce que t'as voulu faire là avant l'entrée là? J'ai vu ma vie défiler, gros. Ah bah moi je t'ai vu faire un truc chelou là. J'étais à un petit angle de 45 degrés là. Ah, let's go. Sur deux roues. Ah c'est bien ce qui me semblait, ouais. J'ai pas halluciné. C'est passé trop vite, j'ai pas compris. Je crois que je me suis pris un pied d'un lampadaire qui était bien accroché au sol. Ah ouais, chaud. Ouais, mais c'était parce que Thomas il m'appelait. J'étais téléphoné. Oh putain, il t'a appelé. Il m'a appelé parce qu'il y avait un mec qui revendait une pénombre FF. Donc Ah oui, d'accord. Putain, c'est marrant, c'était la voiture. Je crois que je lui avais dit que j'allais en acheter une. Donc, Ah ouais, d'accord. Mais ouais, putain, la conduite en camion là. Pas trop ça. Ah, faut se chauffer là, c'est le début de l'après-midi là, tranquille. Moi je sais pas, je vais faire une tournée et après je vais me faire une petite pause et pareil je reviens dès ce soir comme hier, tu vois. Ouais, je pense faire la même aussi. De tourner aujourd'hui pour moi, je pense que ça sera tout. Bah après c'est bien déjà, si t'as eu un contact ou quoi, moi ce serait bien que j'essaie d'en choper un aussi. Ouais bah après tu vois, si on genre moi si je peux pas t'appeler tout de suite, genre on peut passer par le même mec quoi. Bah donc, en vrai, je lui file ton numéro. À la limite ouais carrément. Tu files mon numéro, tu lui dis que je suis OP pour taffer. Toi, tu veux taf ce soir ou tu veux juste faire une tournée en fait? Non, je veux juste faire une tournée. Ah ouais, avec ton PPA là, du coup, ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Mais par contre, il te faut un peu de sous, je crois, pour commencer. Hein. Bah, ce que tu disais, c'est 70 unités. Ouais. Un truc. Ouais, à la limite. Ouais, parce que tu vois, bon, 10 pochons 700. 20 pochons 1004. Ouais, à la limite, bah, comment... tu vois. Voilà. Ouais, limite, tu commences par 10 ou 15, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, je pense qu'il faut prendre contact avec le gars en premier et tu vois, lui. Voir un peu lui comment il fonctionne aussi quoi. Ouais. Je suis le narrateur de
je sortirai le col que pour celle que j'aime. Comme un air de révolte quand j'explose des dilemmes. En une seule lettre, tout le monde sait de qui il s'agit. Vas-y Brad, bébé, un skip dans le cours. Nico, ça s'agit, avec elle je ne ressens plus aucune de mes peurs, même quand je vois la charter dans le rétroviseur. Je vais me fumer une clope contre le camion. Non, oh, vas-y, ça roule. Bah non, l'enval, arrête tes conneries, non, il y a le son là. Me mets pas la pression comme ça. T'as ou quoi? Ah, tu vois, quand même. Streamer professionnel. Ou streamer occasionnel. C'est compliqué. C'est compliqué, oui. Bon, du coup, comment dire. Petit farming encore à la Syrie. Encore avec Jesse. Du coup, c'est cool. Alors, bah déjà, ce sera un crémi, 100%. Il va pas faire de civil, il va pas faire de... Enfin, il fera pas de civil, il fera pas d'entreprise. C'est sûr à 100%. Ce sera un full crémi. Ce que je vais en faire exactement, j'ai plusieurs idées, mais je vais me laisser porter par bah, les contacts, les rencontres, etc. Et après, on verra pour la suite. Mais ouais, j'ai déjà une idée... Et surtout, voilà, par rapport à la personnalité de mon personnage, on va dire qu'il y a certaines choses qui seront plus évidentes que d'autres. Voilà, sachant que ben, mon personnage déjà a grandi dans les quartiers à Liberty City. Il est orphelin, il n'a jamais connu ses parents, il a toujours fait des conneries, des braquages, etc. Enfin, il a toujours fait de la petite criminalité. C'est une petite, comment dire, c'est pas une petite merde, mais... Ouais, c'est un petit criminel, quoi. Et du coup, bah, il va essayer de faire son... bise à LS, mais... Mais ouais, je... Comment dire ? Par rapport à sa personnalité, je sais qu'il y a des gens ou des groupes avec qui ça matchera plus que d'autres. Mais après, voilà, c'est du RP, et il faut se laisser porter et pas hésiter, quoi. J'aurais beaucoup aimé pouvoir discuter hier avec les Aztecas à la Syrie, mais du coup, on était pas... nous, on était sur la fin de... Enfin, on partait à faire notre tournée. Mais voilà, de toute façon, voilà, la Syrie, meilleur endroit pour te faire des contacts en crémi, quoi. Du coup, j'ai tellement de bordel avec les tickets là. Je vais attendre d'avoir fini celle-là et je vais aller me chercher de la flotte. Eh ben, à plus, l'enval, la bonne après-m. Et puis ouais, amuse-toi bien toi aussi sur les différents streams. Du coup, j'ai demandé à un autre gars, je t'ai dit hier, j'ai demandé à un autre gars pour s'il avait du taf pour nous. Et ouais. S'il en a, je lui demanderai les tarots aussi. Ouais, ça roule. Parce que s'il nous fait la weed encore moins cher, il faut aller après... pour le taf pour lui, quoi. Bon, après, c'est sûr que... Comment dire ? Les prix, c'est bien,
Mais après, il n'y a pas que ça non plus, tu vois. Il faut voir un peu les personnes et le fonctionnement. Parce qu'en vrai, moi, ça ne me dérange pas de, tu vois, pour 5 balles de différence, de taffer avec des mecs beaucoup plus sérieux où tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Après, le mec qui m'a téléphoné à 70, là, je ne le connais pas, quoi. Alors que l'autre, je le connais vite fait. Ok. J'ai confiance en lui. Ouais, ça marche. Ouais, faut voir quoi, faut voir. De toute façon, faut. Comment dire. On va pas dire aller bouffer à tous les râteliers, mais faut se faire ses contacts et voir un peu comment. Voir partout quoi. Bah, c'est ça. Sauf Thomas, bien sûr. Ouais. Ouais, Thomas, c'est chaud. Bah, faut voir aussi pour les éviter quoi. Ouais, c'est exactement ça. J'avais cru entendre du bruit. Vas-y, je réfléchis 30 secondes. T'inquiète. Je vais me chercher à boire. Comme ma gourdasse est toujours prête, ça prend pas très longtemps. Ouais, c'est bon. T'es dispo un peu ce week-end ou... Ouais, ce week-end ça devrait être bon. Vas-y, ça marche. Moi je serai probablement demain, dispo entre midi et 15, petit entretien. Ouais, vas-y. Téléphone vas-y. Avec un mec. Ouais, tranquille. J'ai une thermos de café dans le camion, je vais la. Vas-y, ouais. Vas-y, tranquille. En vrai, elles sont pas mal les musiques là. Du bien un café. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
Attends, on va être tout seul toute l'après-midi là, chant. Ouais. C'est des après-midi comme ça. Ah putain, j'imagine que si t'es tout seul, tu dois tellement péter un plomb. En vrai, je pense qu'il y a plus de monde qui va arriver. Qui vont faire des tournées vers 18h, 19h. Ouais, du coup, tu vois, je lui ai demandé au keuf là ce qui s'était passé hier. Bon, il m'a dit qu'ils avaient eu affaire à un groupe armé, etc., et qu'il allait avoir un communiqué ce soir. Ok. Ah bon, je lui ai pas précisé que j'avais peut-être roulé sur un keuf, mais tranquille. Oui. Bah, si t'envoies un qui a une grosse trace de pneu sur la gueule. Ah, c'est ça. Bon, le mec, il dit, putain, c'est bizarre, j'ai une jambe pétée et j'ai une trace de roue sur la jambe. C'est chelou. Ouais, c'est un nouveau type de munition. Ah, c'est ça. Mais ouais, en vrai, y a pas eu d'infos, hein, à part la zone est interdite et c'est tout, quoi. Bah ouais, c'est tout, hein. Fais voir sur le Weasel, là, s'il y avait un truc. Opération de police. Enfin, c'était plus opération de survie pour la police. Putain, c'est vu le nombre de keufs qui avaient couché, ouais, de ouf. T'en fais voir sur le télé. J'ai regardé sur leur site, mais y a rien. Ouais, à part le truc de la zone compromise entre 93-01 et 92-90. Ouais, c'est le seul truc qu'il y a eu, quoi. C'est des annonces gouvernementales. Rien du gouvernement non plus. Oh, que dalle. Ah, je te dis, là, de ce que me disait le flic, ça va être ce soir. Ouais, ça devait vraiment pas être joli, alors s'ils ont vraiment pas communiqué dessus direct. Ouais, moi en vrai, donc il y avait un keuf au milieu de la route, j'en ai au moins vu deux derrière une voiture, deux plus autres le mec au milieu, qui faisait traîner derrière la shafter, et plus le mec qui avait derrière la shafter rouge, là, il y avait au moins six keufs à terre. Donc ouais, c'est chaud. Puis enfin ouais, on a entendu des tirs à un moment là, c'était pas du neuf, ouais. Quoi. Bah, je sais pas ce qu'ils ont les flics comme arme auto. Ouais, ils doivent avoir bon, des neufs, mais ouais, en arme auto, ils doivent avoir des petits fusils d'assaut, des trucs quand même. Parce que bon. Ouais, s'il y avait le SWAT en plus. Bah ah oui, c'est vrai qu'on a croisé des trucs. Pas banal, mais les espèces de gros SUV là. Ah, Granger, ouais, c'est ça. Il y avait deux hélicos en plus, hein, au moins. Ouais. Et je suis repassé, je crois, 45 minutes après ou une heure après, je sais plus, et il y avait encore un hélico dessus. Ah ouais, chaud. Hein. Ouais, parce mais que ouais. Tous les flics étaient partis. J'avais sorti le téléphone, j'avais regardé, il y avait un LSPD et l'autre BCSO. Donc. Ouais, donc ils ont dû appeler du renfort du Nord en plus. Ouais, donc ça, c'est que ouais, ça a bien chié sévère. Ça se trouve c'était les park rangers. Oh putain, les pêcheurs de truites là. Ouais, ils viennent avec leur mousquet. Oh putain, c'est chaud ça. On des AK. Oh putain, ouais, mais à mon avis un mousquet ça va faire mal aussi. En vrai je pense que t'as plus de c'est plus stable, pas un, un peu c'est plus, pas un sniper mais distance, presque quoi. Ouais, c'est ça.
Bon, par contre, faut pas rater ton coup, quoi, parce qu'à mon avis, le temps de remettre de la poudre et... Oui. Et des balles dans le bordel, ça doit être chaud. Quoi. Bon, après, je pense, ça va, hein, c'est pas des mousquets du 19e siècle. Hein. Ah oui, non, mais... Ah, de ouf. Ils se mettent en rang, là, tous, là. C'est ça. Pour recharger. Ils se mettent en rang, ils font des vagues, là. Il y en a la première qui tire, la deuxième qui recharge. Allez, let's go. Vas-y, moi, c'est bon, j'ai les poches pleines. Le camion aussi. Moi, faut que je regarde dans le camion. Si... J'ai fait une petite pause... Ouais, vas-y, vas-y, tranquille. Je remplisse aussi. Bah, à la limite, vas-y, attends, je vais remplir ton camion. Il est ouvert ? Normalement, ouais. Il y a de la place, du coup ou... Bon, vas-y, je l'ai rempli. Ok, ok, nickel. Du coup, il est full. Comme ça, ça va plus vite, on repart. Oui. Et je vais mettre un peu de Donuts Gang. Moi, je vais avoir fini là, donc. Il te reste combien de kilos à peu près? Voilà, il me reste. Il doit me rester. Ouais, un peu moins de 15. Je peux te donner ça. Merci bien. Ah. On va pile quand on part. Oh, nickel. Ça va, ils sont deux. Moi j'ai fini. Moi j'ai quasiment fini. Ouais. Bonjour. Yo yo. Hey, bonjour. Vous allez bien? Ouais, nickel, et toi? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Tu portes pas de tenue de protection? Non, je peux faire sans, ouais. Ok. Ouais, je sais pas, c'est plus de mobilité sans et je transpire moins dedans. Vu les températures qu'il fait la journée. C'est des tenues isolantes, pas des tenues qui réchauffent. Ouais, mais quand même, quoi. Ouais, nickel. Pas, moi, je suis habitué à faire sans tenue, donc je peux faire comme ça. Ouais, ça c'est toi qui vois, mais fais gaffe parce que normalement, c'est obligatoire. Bah, ils ont le droit de peux... te mettre. Ouais, mais ils ont le droit prendre... de te mettre une amende. Tu peux prendre ton service sans, donc en soi, s'ils voulaient vraiment que ce soit obligatoire. C'est dans le code du travail en fait. Ah oui? C'est marqué dans le code du travail. Oh là là, le code du travail. Hein. Terrible, on est des dangereux criminels. Tu travailles sans ta tenue, putain. Moi personnellement, je m'en bats les steaks. Vas-y, j'appelle le BCSO, man. Il y a un monsieur, il travaille sans sa tenue. Ce que je veux dire, c'est que le jour où un flic il veut te faire chier, il pourra. Ouais, mais c'est bon, tranquille. Bon, c'est bon, ils sont tous fait coucher hier soir, c'est bon. Ça, je pense qu'ils viendront pas mettre des amendes pour des tenues. Là. Je pense qu'ils sont un peu traumatisés par la zone. Maintenant. Ah putain, ouais, c'était juste à côté de la Sierra en plus, donc c'est nickel. Vous étiez là-bas hier soir? Ah bah non, nous on est passé entre les mecs par terre. Entre les balles, ouais. Ouais, c'était nickel. Et puis bah, quand on est arrivé à la Sierra, on a entendu que ça rafalait encore pas mal, ouais. Okay. Ah, moi on m'a dit que c'était dans la Sierra, du coup. Ouais, non, c'était pas derrière. Ouais, c'était à côté. Ouais. C'était au sud, ouais. Normalement. Enfin, le quartier bloqué était au sud. Ouais. Proche de la base. Ils étaient au coin de la Syrie. Hein. Ouais, c'est ce que m'a dit un keuf tout à l'heure. Il m'a dit c'était dans la boucherie. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu aussi. Bon, bah, on a fini. Hein. Ouais, on va laisser la place là comme ça. Ouais, parce que du coup, comme il y a quelqu'un qui a. Il arrive à fond. Bon, bah, à plus. Bonne fonte. Ça braque tellement pas cette merde.
Bats les couilles de la barrière. Donc 16h52, ouais, on est à la moitié à peu près, ouais, comme ça. Ça passe. Est-ce qu'il va nous refaire un déjà vu dans le virage ? C'était plutôt propre. Putain, il était joli celui que t'as fait là juste en arrivant. Là. Ouais, le dernier, ouais. Il était propre, il était propre. Heureusement qu'il y a deux voies, quoi. Ah, putain, les mecs de la mine, je pense que c'est les mêmes gens qui respectent le code de la route, hein. Oh non, mais de ouf. Ils respectent le code du travail. Attends, oui, tu comprends. Normalement, il faut que t'aies ta tenue pour travailler, sinon. Mais on s'en bat les couilles, c'est. Mais gros, déjà ils ont lu le code du travail. Non mais c'est ça. Nous c'est bien la première chose qu'on regarde, c'est les amendes, combien ça va coûter si tu te fais choper pour un truc, et lui il regarde le code du travail. Putain, non mais. Il regarde ce qu'il faut pas faire. Oh putain. Lui tu vas le retrouver tu vas le retrouver à la mairie, lui, je suis sûr. Ouais. Il sera conseiller, monsieur, avec une petite cravate ou un nœud de papillon. Je me souviens, il y,
y avait des mecs qui se présentaient à la mairie, qui taffaient à la mine avant. Ah ouais? Ils étaient candidats et... Je sais plus s'ils ont gagné ou pas. Ils étaient candidats et ils faisaient des tournées à la mine. Ah ouais? Putain, mais c'est... Bah, c'était un peu de la propagande, quoi. Ils venaient, ils... Bah ouais, oh putain, ils étaient en mode casser les couilles. Votez pour moi, je suis comme vous. Dans la même galère. Ouais, non. Oh, super. Dans la même galère, mais tu viens travailler avec... avec ta montre en or, là. Et... Oh non. Oh, super. Putain, j'ai vu tellement de mecs hier soir à la plage, là. Les mecs avec des motos, là, en train de... Ah bon, ouais. À mon avis, ils étaient pas en train de donner des prospectus pour le prochain maire, tu vois. Ça veut dire que ça peut être une bonne zone, hein. Ouais et non, parce que ça peut être une bonne zone parce que tu sais qu'il y a du monde, mais par contre s'il y a d'autres mecs qui deal, ouais, c'est pas forcément le bon bail, tu vois. Enfin, parce qu'à mon avis, plus t'as de pour monde, te casser, plus t'es visible. Ouais, ouais. Ouais, en plus pour te casser, t'es un peu à découvert en vrai. Hein. Toi tu vas direct dans les rues. Ouais, si tu continues sur la plage, y a rien pour gêner la vision. Bah encore toi tu vois avec la Sanchez, tu t'as moyen, mais moi à vélo, bah c'est fini. Hein. Ouais. C'est clair. Attends, par contre c'est ouf là les je sais pas ce que c'est, si c'est des apparts ou des maisons là, mais à la plage là, 8208 là. Putain, mais ceux-là... Ouais, ils sont pas mal en vrai. Putain, ceux-là, ils sont goldés de ouf. Et ça doit être cher de ouf, non? Avec vue sur la mer, enfin juste à côté de la mer. Oh, je sais pas. Faudrait aller voir en vrai. Bah bon, ouais. C'est pas comme si on avait les moyens de s'en payer. Quoi. Ouais, c'est juste de la curiosité, tu vois. Moi, j'étais allé voir les apparts, là. Derrière la fourrière, là. Sur Rue Lowenstein Boulevard là, et c'était 130 000. Enfin, c'est cher en vrai. Hein. Enfin, c'est cher de ouf. Dans des quartiers comme ça. Bah ouais, putain, c'est les quartiers sud là et le truc ça coûte 130 000 balles quoi. Enfin, je comprends pourquoi il y en a, ils, pour des pannes, ils achètent des chambres d'hôtel à 25 000. Ouais, c'est sûr. Et je vais envoyer un message au psychologue du LSES hein, pour voir si... Ah putain, tu dois avoir un psy pour le PPA, ouais, c'est oui, ça. Oui, oui, je crois. Ah putain. Mais ça les fait deux par deux ? Ah ouais.
165. J'allais faire une petite tournée. Et ça marche, il y a des gens à la ligne, je crois. Ok, ok, yo man. Allez, mais bon courage aussi à vous, à plus tard. Moi, ouais, toi aussi. Merci. Putain, j'ai même pas vu rentrer le mec. Oui, il était. Il dormait dans les vestiaires. Ah, ouais, d'accord. Ouais, j'ai fait une tournée, hier soir. Ah ouais, après. Et ils étaient là, il était là. Donc, ouais, je crois vers minuit, quelque chose comme ça. Ah ouais, putain, t'étais chaud. J'avais pris trop d'amendes, fallait que je fasse une tournée de plus. Oh putain, tu vas prendre tellement plus d'amendes si tu fais pas gaffe avec ta nouvelle voiture là, ça va être chaud. Non mais en vrai je fais gaffe, hein. Je prends que les routes que je connais. Je sais là où il y a 2-3 radars donc ça va en vrai. Faudrait que je me fasse une carte avec tous les radars. Mais... Bah de ouf. Tu vois, au final, il y a du monde qui passe hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, jusque nous, quand on a commencé, il y avait personne. Et puis au final, ouais, comme tu dis, tu vois, t'as un groupe de deux. Oui. Deux qui arrivent, un autre qui se lève et tout, au fur et à mesure. Je sais pas, c'est quand qu'il y a le plus de monde, en soirée ou dans l'après-midi? Je sais pas. Ouais, je dirais vers 18h. Hein. Ah ouais. Et après, tout le monde arrive un peu en décalé, donc... Ouais, ouais, ouais. Avant, on pouvait s'acheter des radios. Donc, les mecs ils s'étaient mis sur une radio commune et ils organisaient des départs groupés. Des radios? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et bonjour, messieurs. Bonjour. Et bonjour. Hey yo. Comment allez-vous, messieurs? Oh, ça va bien. Vous on va dire, écoutez, ça va, oui. Ça. Ils sont à vous, les deux camions devant? C'est ça. Yes. Oh, bah, c'est parfait. D'accord, ça marche. Moi, c'est nickel, dans ce cas-là. Bon, tout va bien du coup. Personne n'est venu vous embêter, messieurs. Personne, on est tranquille aujourd'hui. Ah oui, oh, c'est parfait ça. Pourquoi c'est d'habitude il y a des problèmes ou. Bon, ouais, écoutez, ça dépend. Parfois il y a des personnes qui viennent ici pour essayer de recruter. Oui. Ah ouais, d'accord. Bon, du après, travail, vous... pas tout à fait légal. Bon, après, vous savez, nous, hier on est passé, on a vu qu'il y avait pas mal de vos collègues qui étaient un peu mal en point, un plus loin moché, là. Donc, ouais, c'est un. Ouais. 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 Je confirme. Ouais. Ouais. Nous on est passé au milieu hier. Ouais. Oui. Ouais, puis on a entendu des bruits, ouais, on n'était pas rassurés de fou, quoi. Oui, oui, si, oui, je comprends. Oui, c'est peut-être bien de bloquer les routes dans ce cas-là. Oui, alors malheureusement, il y a des moments où. Ouais, vous n'avez pas vraiment le temps de penser à tout, quoi. Bah, c'est ça. Et puis entre le fait de se mettre à couper ou bloquer les routes, on vous avoue que. Voilà. Le choix est vite fait. Ouais, bah oui. Ouais, après, se mettre en plein milieu de la route, ça peut être un peu dangereux. En plus. Ouais. Ouais, surtout, il y avait un collègue à vous en plein milieu. Ouais, c'était chaud. Alors, j'ai failli lui rouler dessus. Hein. J'ai évité. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Tant que vous ne l'avez pas touché, ça va. Non, bien sûr.
Oui, attends, je l'ai pas touché, c'est bon. Ouais, ça fait longtemps que vous travaillez à la série, monsieur. Ah, moi j'ai pas mal d'expérience ici, ouais. Ah oui. Ok, ça marche. Et pour vous, monsieur? Moi, depuis hier. Depuis hier, ok. Bah, je sais pas si on vous a prévenu, mais du coup, pour travailler ici, il demande un permis camion pour pouvoir conduire le camion que vous conduisez. Ah bon? Oui, bah, il est nécessaire, du coup. Ah putain, mais pourtant, moi, le mec à Pôle emploi, là, il m'a dit, tiens, là-bas, ouais, tu vas là-bas, tu fais ça, et puis let's go. On essaie d'essayer de lui dire, mais ouais, il a du mal à retenir. Bah ouais, lui, il est arrivé, il m'a dit, tu veux travailler? Je dis oui. Il m'a dit, bah vas-y. Et c'est tout. Ouais. Bah, oui, le plus important, c'est de savoir conduire, non? Oui, malheureusement, ça marche pas comme ça. Parce que si du coup, on vous arrête et que vous avez pas le permis, parce que, oui, vous avez beau nous dire que vous savez conduire, malheureusement, on prenait comme on a mis une amende, vous voyez. Ouais, après, il conduit pas, c'est moi qui conduis les deux. Oui, vous êtes fort, monsieur. Ouais, ah, ouais. Le talent, le talent. Non. Bref. Est-ce que vous avez de quoi au moins de vous le payer? Ça coûte combien? 1500. Hein? Ouais. Ah, c'est cher de ouf. Oui, ça fait beaucoup, ouais. Enfin, après, je sais pas, à la mairie, ils m'ont dit qu'il y avait des assos qui le payaient, mais ouais, moi, oui, ça me paraît un peu chelou. Ouais. Essayez de contacter l'association LENA. Ouais, je sais, ils m'ont filé un numéro, mais moi, une association qui paye un permis, ça me paraît un peu. Ils sont très gentils. Je suis passé par là, moi, quand je suis arrivé, ils m'ont financé le permis voiture et le permis camion. Ah, ouais, d'accord. Et vous leur avez jamais rien redonné? Bah, non. C'est juste qu'ils donnent après, et c'est tout. Après, ils acceptent les dons aussi, donc c'est pour ça. Ah bah moi aussi j'accepte les dons, ouais. Oui, je me doute. Malheureusement j'ai pas d'argent sur moi, mais sinon je l'aurais financé, croyez-moi. Non mais vous inquiétez pas, je rigole, c'est pas pour vous. Enfin bref, du coup monsieur, oui. Je vais être gentil, je vais vous faire une fleur cette fois-ci, mais la prochaine fois que je vous arrête dans un camion, monsieur, il faudrait que vous ayez votre permis, d'accord? Bah techniquement je suis pas dans un camion, moi. Oui, ah oui. C'est ce que je veux dire, monsieur. Ouais, oui, je vois mais très bien. C'est... Vous allez nous attendre à la sortie, c'est ça? Non, on va pas faire ça non plus. D'accord, ouais, on n'est pas là pour vous amender, d'accord. Il serait pas quand même si vicieux. Non. Et vous, monsieur, du coup, vous avez votre permis? Oui, vous voulez que je vous le montre? Oui, je fais bien, s'il vous plaît. Ouais. Oh, ouais, c'est parfait. Merci à vous, monsieur Duncan. Et de rien. Bon. Et pour ça, passez votre permis, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, d'accord. ça marche. Allez, passez une bonne journée, monsieur. Pourquoi? Ouais, vous aussi, ouais. Et bonne journée. Bonne soirée. Je les laisse sortir et après je vais chercher dans mon... Ah putain, ouais, c'est pareil depuis tout à... Attends, je vends pas. Oh, vas-y, Balek. Ouais, ce serait vraiment dommage hein, si un collègue a eu sur la route. Ah bah... Comme par hasard. Bon bah voilà, ils ont pas contrôlé le code du travail. Oh bah non, tu vois. Ah tu vas prendre une amende si t'as pas ta tenue. Ouais, je crois qu'ils s'en battent les couilles, c'est surtout ça, oui. Mais je crois que le mec qui est passé tout à l'heure, là... je crois que justement, les assos lui ont payé son permis. Bah ouais, c'est ce qu'en fait c'est ce que je te disais hier. Moi, le mec à la mairie, du coup, il m'a dit ouais, t'avais quoi, l'ENA et la Fondation Collins qui financent les permis. Et là, bah tu vois, bon, on a un keuf qui nous dit que lui il s'est fait payer. Mais putain, attends, le mec s'est fait payer le permis voiture et camion. Bah, ça se trouve ces fondations là, ouais, elles ont une petite main de l'autre côté et comme ça les mecs dans la police. Ils leur doivent des trucs. Ah ouais, putain, chaud. Je sais pas.
Parce qu'en vrai, ben, le permis, à part pour ici, le permis camion, sinon je m'en bats les couilles. Il y a besoin d'un permis pour acheter une voiture ou... Permis voiture et moto. Ah bah ouais, ouais. Putain. Ouais, parce que même si tu l'achètes d'occasion, ils te demandent le permis, les keufs. Ouais, c'est ça. Oh putain. Là, je sais pas si le concess, il te demande ton permis. Bah écoute, au pire, si jamais j'ai le temps ce soir ou demain ou dans le week-end, si je me suis pas fait arrêter d'ici là, vas-y, c'est combien l'amende pour conduire sans permis? Allez, on reste dans les bonnes habitudes, on va regarder les amendes. Alors, sachant que je crois que c'est la max. Alors. C'est quoi, c'est un délit routier? Bah ouais, je pense. Délit routier. Non, il n'y a pas dans le délit routier. Ah oh non, y a pas. Putain, c'est un délit mineur alors. Attends. Enfin, conduite sans permis, 1500 d'amende. Putain, 1005 et 15 minutes que j'avais. Oh, ça fait mal au cul de ouf. Mais pas de mettre une garde à vue pour une conduite sans permis quand même. Oh, ah non, mais à tous les coups, ça doit être la sentence max, tu vois. Et après. Ah il... oui. Ouais. C'est toujours ça, de toute façon, avec les keufs. Pour te faire peur, ils disent vous risquez. Sauf qu'au final, bah, c'est la max, tu vois. Au final, ils vont te lâcher un billet de 500 pour que t'ailles passer ton permis. Putain. En plus, de toute façon, il me dit si je vous revois, mais c'est toi si tu me revois. Moi, t'es pas le seul à bosser. En plus, t'as même pas pris mon identité. Bah, moi, il y a 4 millions d'habitants. Bon, à la Syrie, on n'est pas beaucoup, mais... Bah, vas-y, limite, on... Je me fais passer pour toi, hein. Je vais mettre une tenue, prendre un sac vert. Vas-y, let's go. Sinon 10-31 en camion. 10-31 un délit de fuite. Ah ouais, d'accord. Ah, tu connais les codes des keufs et tout. Bah ouais, ouais. Oh putain. En vrai, c'est un peu les mêmes partout, donc... Ah, je sais pas. Quand j'étais aux zombies, il y avait toujours des mecs qui braquaient la supérette d'en face. Ah ouais, et putain, ouais, avait... une supérette pile en face. Juste en face, oui. Il y avait un peu une folie des supérettes en ce moment-là. Ah bah d'accord. Il y avait des mecs qui... Il y avait des keufs aussi sur... souvent sur le parking et quand la... Il y avait des braqueurs qui arrivaient pour la braquer alors qu'il y avait les keufs en face. Ah ouais, pour rien à branler, quoi. Ah ouais, du coup, t'entendais un peu les codes... Du coup, ça m'a fait rigoler Aras Mas qui joue Grace. Il y a Speedy qui m'envoie un MP Discord. Il me dit mais non, pas toi, terrible. C'est tellement bien. Pareil, putain, c'est. Ah putain, c'est qui déjà où est Speedy là, l'autre, c'était. Putain, j'arrive jamais à me rappeler son nom. J'aimais beaucoup jouer avec lui. Putain, je me rappelle plus le nom de son perso, ça me casse les couilles. Il jouait Alan Tenant, je crois, juste avant. Au passage, j'ai demandé à Thomas comment ça s'était passé avec les keufs. Hier, il m'a dit il les a juste chassés, mais ils sont échappés. Ah ouais, d'accord. Il a chassé des patrouilles, mais... Il a chassé des keufs, putain. Ouais, d'accord. Vas-y, je vais chercher au camion. Vas-y, vas-y. Attends, j'en fais un peu et je retourne au camion. Il me reste 8 dans le camion, putain. Ah oui. Ouais. Un peu plus.
Ah, il te reste dans le camion encore? Ouais, je pense. Genre 80, quelque chose comme ça. Vas-y, ça marche. Putain, du coup, maintenant j'ai le doute si je l'ai fermé. Putain, attends, je vais vérifier. Ouais, c'est bon, j'avais fermé. T'as pris le reste du coup? Ouais, c'est bon, ouais, j'ai plus rien là. J'ai tout dans les poches. Les débuts, les débuts. Moi, je vais chercher le reste. Ouais, ça roule. Vers 17h19, bon, bah, parfait. Comme ça, après, on vend. Je déco. Je vais chez le Toubib. J'en ai pas pour très longtemps. Enfin, j'ai combien? J'ai 1005 sur le compte et j'ai 1000 balles sur le sur moi. T'as de quoi te passer le permis du coup? Oh putain. Ah, ils sont mignons là, 1005. C'est galère 1005, le permis ouais. Ou... Le permis camion, ouais. Ah ouais? Comment ça se passe le permis ici? Bah, tu vas à l'auto-école. Ouais. Et hop, tu sautes dans la voiture et... Tu dois suivre un trajet que l'instructeur il te donne. Et t'as pas la... enfin, genre, si tu dépasses de 2 ou 3 km/h la limite, c'est fini. Il y a ça qui peut te faire rater le permis, c'est ça? Il y a la ça, vitesse. Y a... Bah, dès que tu touches quelque chose aussi avec le véhicule, ah ouais, une okay. Voiture, un panneau, tout ça. C'est bien ça pour le permis camion, le truc qui doit faire 12 mètres de long. Ouais, ouais, c'est pas un petit camion. Ah bah ouais, nickel. Et le régulateur, tu peux le mettre ou pas? Non, même pas. Ah oh, putain, vraiment? Ouais. Oh là là, ça dégoûte. Avec des gros nichons. Le permis camion, tu dois aller faire de l'essence en plus. Parce que... Quoi? T'as pas assez d'essence dans le camion. Mais non. De base. Vraiment? Ouais. Oh, ça dégoûte, putain. En gros, c'est un trajet qui te fait passer par l'autoroute. Et t'as une station en point Y, là, en 7000. Ouais, attends, fais voir. Ouais. Déjà, je vois où elle est l'auto-école. Ouais, donc tu vas... Tu vas jusqu'en 7000. Ok, ouais.
Ok, ouais, je vois. L'essence. Après, tu remontes l'autoroute. Et bonjour. Yo. Il me semble que tu pars dans les montagnes. Tu passes par 5012. Ouais. Il me semble que tu passes par le vignoble. Ah ouais, d'accord. Et après, tu repasses, je sais plus par où, peut-être par 5002. Ouais. Et tu rentres à l'auto-école. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, en plus, c'est un parcours de combattant, quoi. Et le truc, il coûte un K5. Putain, c'est des ouf. Les virages autour du vignoble, ils sont vraiment horribles. Ouais, puis il suffit. Ah, si tu te fais toucher par un gros connard qui ne sera pas sur ta gueule. Ah, c'est... Oh là là là. Ah bah, là. C'est fini pour toi. Ah, tu perds. Même, oh, même non, si mais... c'est pas ta faute, c'est fini pour toi. Ah putain. Oh, vas-y, moi j'en ai rien à... Je crois que jamais je le passerai le permis en vrai. En vrai, il sert à rien. Si tu veux aller faire tes petits quotas en supérette. Oh putain, quel enfer. Ouais, c'est bon, j'ai plus rien. Moi, je vais bientôt finir aussi. Compris. On l'emmerde en fait. Et rebonjour. Et rebonjour. Et rebonjour. Et ça fait du monde à la série. Ouais, bah nous, on a fini donc. On fera que ce que croiser. Ouais. Oh ouais. Putain. Une diarrhée. T'as besoin de quelque chose? Vas-y, ouais, si t'as un truc, vas-y, sinon c'est chaud. Antibio. Oh putain, je vais remplir la combinaison, Antibio. Putain. Antibio. Ouais, ouais. Je pensais du coup qu'il fallait aller changer mes tickets à tout à l'heure. Ça c'est le médecin qui parle, antibio, ça se voit. Ah putain, ça va mieux. Ah, j'en pouvais plus là, c'était chaud là de ouf. Oh putain, avec la chaleur, j'aurais pas pu tenir plus longtemps là. Ça a failli avoir ton pantalon. Ah de ouf. Ah, ça va mieux. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon, eh ben nickel. Eh ben à toutes. Allez. Et à toutes, ouais. Tu sais, c'est physiquement. Ah, j'ai serré très fort. Ah non, mais. Avec la chaleur et tout là. Oh là là, quel enfer. Hein. Ça arrive d'un coup. Putain, pas. Mais. Par contre, c'est chaud parce qu'ils m'ont filé des tickets pour des médocs et ils disent qu'il faut aller les chercher à Human Labs. Ouais. Ah putain, mais moi c'est chaud hein, en vélo. À prendre l'autoroute là. Ah ouais, de ouf. En vélo là, je vais mettre une heure pour y aller, nickel. Ah, faudra que j'aille en chercher parce que je vais pas de taxe à chaque fois ou appeler les docs quoi. Ouais, sinon quand ils font des livraisons en supérette là, tu peux ah, tu peux les taxer, peut-être. Ah ouais, carrément. Ouais, je sais pas en vrai. Les mecs ils doivent bien avoir des stocks sur eux. Ouais, ça dépend. Après, au pire, je verrai plus tard, tu vois. Je leur enverrai un message sur le truc entreprise, voir comment on peut faire, tu vois. Ça se trouve, peut-être ils se déplacent, ils se déplacent en ville et ils font des livraisons. Ouais, c'est sûr. Bah, et on est parti. Je te suis, du coup. Allez, feu. Oh putain, non. Putain, j'ai fait la même que toi hier. Ouais, j'ai vu ça, ouais.
Nickel. Pas mal, le dernier. Ah, c'était joli, c'était joli. Et toi derrière, nickel. Putain, mais la bouche incendie, vraiment trop solide. Ah putain, non, mais celle-là, elle est fatale. Hein. Je crois que ce virage, faut s'en méfier, putain. Je me suis dit, ah, le putain, le bâtard, il refait la même que moi. Non, j'ai pas fait exprès du tout, non. Bon, en fait, parce que j'ai pris large parce qu'il y avait une voiture. Puis au final, si tu prends large, en fait, tu te bouffes le truc à gauche parce que le cul l'arrière, part. Il part trop vite, c'est en fait. Ça, quoi. C'est ça. En vrai, ça va, niveau essence, en fait, avec ton trajet et tout, on est bien. Sauf si des fois, t'as le camion qui a moins d'essence, mais est-ce que c'est possible ? Bah, pour le moment, sur ce trajet-là, j'ai pas eu de soucis. Mais après, t'as des trajets alternatifs, mais tu dois ralentir à chaque fois, tu consommes plein d'essence. Ouais, parce que là, le trajet que tu fais, là, il est nickel. Bah, je privilégie l'autoroute, quoi. Parce que tu peux passer à droite, là. Derrière les containers, mais tu dois passer sur un terre-plein, donc faut ralentir, c'est un peu chiant. Avec les drifts en plus pour pas manœuvrer, ça consomme encore moins. Oh, c'est ça. Le meilleur moyen. Putain, je me suis dit, quand on est sorti de la Syrie, je me suis dit, putain, si ces enculés de keufs, ils sont à la sortie, qui nous contrôlent. Ah ouais, non mais... Et qui nous voient taper des gros drifts sans permis. Ah putain, ah bah là... Le bénisse recrute. Ah putain. En vrai, ah putain, mais ouais, non. Tu vois, parce qu'il y a des entreprises, en vrai, je me disais, peut-être qu'il n'y a pas de quota ou truc, mais. Je suis sûr qu'il y en a partout, en fait. Bah ouais, c'est ça. Que tu vois, hier, moi, j'ai pris le taxi, là, pour aller à la mairie du Nord, là, pour gratter les tickets et tout. Et je discutais avec la nana des taxis et elle me disait oui, si ça vous intéresse et tout. Je dis ouais, mais c'est quoi vos quotas? Ah, il faut travailler, c'était combien? En faisant 1 heure ou 2 heures par jour, vous avez fait vos quotas et vous nous devez je sais plus combien de votre temps. Je dis ah ouais, d'accord. Un peu beaucoup quand même. Ouais, déjà, je dois du temps à quelqu'un, moi ça me, oh, ça me donne envie de me gratter partout. Ouais, ton quota, tu dois pas le compléter, je pense, juste en tournant avec ton taxi vite, quoi. Je pense au. Ah non, mais c'est ça. Genre, je sais plus, c'était un nombre de clients, elle m'a dit, par semaine. Oh, ça doit être tellement casse-couille. Oh putain, j'avais pas vu le truc au zombie car là. Comet S2, oh là là, ça doit être. Oh, ça va atteindre des prix de ouf, ça, à mon avis. C'est quoi, une enchère à l'aveugle là? Oh, ça va être n'importe quoi. Bah, tu peux essayer, hein, tu mets tes 10$ dessus. Oh, vas-y, de ouf. Il y a un monde où t'es tout seul. Ah, ouais, il y a un monde où j'y crois absolument pas. Finalité son départ.
Ah, ça, il me reste plus beaucoup là. Faire le compte, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, moi ça va remonter tranquillement. Bah ouais. Il te restait combien là après l'achat de la voiture? Restait 45, je crois, 45 000. Oh, ça va, ça va. Ouais, il était bien. Ouais. T'as de quoi voir venir. Ouais, c'est ça. De quoi me prendre une ou deux amendes. C'est ça, quelques radars. Et les radars, c'est vraiment des amendes connes, hein. Oh bah, ça flash à partir de combien? En ville, c'est 90. Je me suis fait flasher 3 fois à 91. Et tu prends combien? 150. Ah ouais, alors c'est pas beaucoup, mais cumulé à mon avis, ça doit tellement casser les couilles. Et je me suis pris 1000 balles hier sur un radar. Ah putain, ça fait mal ça par contre. T'étais à combien? J'étais à 140 pour 90. Ah ouais, d'accord. Putain, 1000 balles. Oh putain. Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais, quoi. En fait, il y a des moments quand tu prends des amendes, ben, ça te rembourse de bosser à la scierie, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait une tournée de plus hier. Hein. C'est juste pour rembourser les amendes. Ah d'accord. Rembourser les amendes et payer un peu de bouffe, quoi, pour le lendemain. Ah, c'est ça. Bon, moi, tu vois, c'est pour ça, hein, je suis allé gratter les tickets, hein, parce que la bouffe... Ouais, bah par tournée, t'en as pour 200 $ de bouffe. Ouais. Si tu prends Black Cat, hein, si tu prends Ginette, t'en as pour 500 balles. Bon bah là, moi de toute façon, maintenant, c'est mort. Hein. Je prends que Black Cat. Hein. Ouais, il me reste plus grand chose sur moi, il me reste plus grand chose. Il me reste 157 aciers, il m'en reste un peu dans le coffre. Ça va être la même pour moi, je pense. Il me reste 25 dans le coffre. Mais ouais, d'ailleurs, si jamais ouais, ton contact que tu avais eu pour la weed, si jamais ce soir, quand tu veux, tu lui envoies un message, tu dis pour. Tu refiles mon numéro, tu dis que moi je suis chaud pour taf. Ouais, bah tu sais quoi, je vais faire ça tout de suite là. En vrai, comme ça. Comme ça, si jamais tu vois ce soir, parce que ouais, toi si tu veux le PPA, vaut mieux avoir un casier vierge, mais moi je m'en bats les couilles, tu vois. Ouais. Donc. Parce que ouais, putain, si pour braquer des super et de fois un 9... Après, ça se trouve, il y a moyen d'en choper dans la rue. Hein. Un 9, ouais, mais ça va être plus cher, non? Bah après, ça dépend, en fait. Combien ça te coûte de passer le PPA, là? Je crois que j'ai demandé au keuf, mais j'ai oublié. Je crois que c'est 5000, un truc comme ça. En fait, c'est ça qu'il faut calculer, tu vois. Parce que si tu payes le PPA, je te dis une connerie, 5000... Tu payes un pistolet, ça coûte combien un œuf en boutique? J'ai allé voir Non, je suis pas allé voir, non. Vas-y, on va dire que ça coûte 5000. Ça te fait 10K. Et je te dis un truc, une connerie, mais dans la rue, tu vas le payer, j'en sais rien, moi... Allez, on va dire entre moins de 10 000. Après, il faut voir aussi, tu vois, si tu te prends une amende. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, mais tu vois, si j'ai le PPA, après je peux revendre des neufs aussi. Ah ouais. Allez, reprenons le neuf à 5000, je le fais à 7000. Ouais, dans tu te fais un peu de BNF. Ah ouais, putain, ouais, j'avais pas pensé à ça, ouais. Ouais, par contre, faut pas que tu te fasses choper sur un délit avec un gun. Ouais, c'est ça. Sinon, il te retire. Faut pas non plus qu'à l'armurerie, ils contrôlent les ventes.
C'est-à-dire genre que t'en ai acheté plusieurs et que ça paraisse... Ouais, je vois si j'en achète 3 d'affilée dans la même armurerie... Ouais, peut-être le vendeur il va se dire ouais, c'est... ouais, je vois ce que tu veux dire. Et si t'en achètes 10 d'un coup, bon, c'est un peu chelou. Un peu dans les... C'est quoi, c'est de la catégorie 2 à 9 mm je pense. Je sais pas, catégorie 1 ça doit être les couteaux tout ça. Ouais, catégorie 1 ça doit être les armes blanches, armes contondantes. Catégorie 2 ça doit être les neufs, les trucs comme ça. Et... Non. En vrai, tu vois, si t'as les moyens d'acheter un neuf, par exemple, de manière illégale à plus de 5000, et que tu te fais choper. Déjà, c'est détention d'armes de catégorie 2 sans PPA, tu prends 10K, c'est la maximum. En vrai. C'est le, en fait, c'est le prix du PPA, quoi, je pense. Ouais, c'est ça, c'est le prix du PPA et du gun. Ah, c'est ça. Et du coup, je me demande si on fait un braco. Avec des neufs. Ouais. Est-ce que c'est mieux que ça soit le mec qui est le PPA qui est le neuf? Le mec qui n'a pas de PPA. Ah ouais, tu veux dire... Ah ouais, je vois ce que tu veux... Bah après, en fait, ça dépend si c'est des fils d'up et qu'ils disent que t'es complice. Bah du coup, ils te baisent. Ouais. Mais Après, alors... tu vois, si t'as un chouf qui est pas dans la voiture. Ouais, je vois, ouais. Ouais, genre par exemple, toi, t'as ton PPA, tu spots, et moi, je fais le braquage avec le neuf, j'ai pas mon PPA, donc je... Ouais, c'est ça. Moi, je prendrais juste une amende un peu plus salée, mais au moins... Enfin, non, même pas. Bah, tu prends des tensions d'armes, quoi. Ouais, c'est ça. Il leur dit, ouais, je l'ai chopé dans une poubelle. Ouais, c'est ça, je l'ai trouvé dans une poubelle et il fallait que je mette 5000 balles dedans pour le récupérer. Putain, c'était chelou, hein. C'était un dépôt-vente. Limite, tu fais passer ça pour un pistolet à billes, hein. Tu fais ouais, c'est tu ça. Mets un petit embout orange au bout, là. Je croyais que c'était un truc d'airsoft et tout. Ouais, c'est bon, j'ai le camion qui est vide. Ouais, la même. Le combat à peu près 2005, ouais, ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Brokers for life. Elles sont trop bien ces chansons à tone. Tout le groupe qui va arriver au moment de au moment où nous on va finir. Bah c'est ça, bah c'est comme hier là, il y avait la voiture des Aztecas apparemment quand nous on est parti en tournée, du coup ils étaient à l'intérieur. Ouais. Non mais t'as tout le groupe à la transfo là, ils vont arriver. Ah tu veux dire le groupe, je crois que tu parlais des groupes des mecs qui démarchent quoi. Ah non enfin, bah. En vrai, ça serait bien qu'ils viennent maintenant, tant qu'on est là, mais... Bah, de ouf. Et en après, vrai, je crois que j'en ai jamais vu ici. Hein. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si... Ils osent pas venir ici. Après, c'est quand même ouf que... Hier, un mec de Ron vienne à la mine, à la... à la transfo, et ça se trouve, il est venu ici aussi, tu vois. Ouais. Enfin, ça c'est dingue ça. Putain, le DRH de Sharon quoi. Ah oh, bah tu vois là le. Hey, le mec tout à l'heure là qui parlait des tenues, lui il s'entendrait bien avec. Ouais, c'est ça, c'est un futur DRH. C'est ça, ouais. Arrivé, il va faire réunion. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui le CA est de temps. Vous avez fait des bonnes heures, je vous donne quelques miettes. Demain c'est une visio à 14h. On fait une conf call. Pas de ouf, putain. Ouais, enfin après, il travaille toujours à la mine, quoi.
Alors qu'il y a tant d'entreprises qui recrutent. Non, mais parce que tu comprends, le mec, à mon avis, il doit faire, comment ça s'appelle, sa visite médicale. Il veut passer ses permis et tout. Attention, monsieur, bien sûr, soi, de ouf. Bah oui. Je pense qu'il a dû aller à la fondation direct, se faire payer le permis. Ah, c'est ça. Ça se trouve, il a fait un CV, le mec. Il a fait une lettre de motivation. Oh là 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 là. Let's go, une lettre de motivation pour travailler au Bénis. En vrai, par contre, moi je les contacterais peut-être, tu vois, les nains ou les trucs pour les permis, mais je sais même pas si je passerais le permis avec. Hein. Au pire, je leur dirais, ouais putain, je suis deg, je l'ai raté, tu vois. En vrai, est-ce qu'ils te... Contrôle, genre. Ah, mais ouais, c'est vrai, en vrai, si tu dis que tu l'as raté, bah, peut le faire. Bah, c'est ça, en vrai. En vrai, tu vois, là, le keuf de tout à l'heure, il disait, ils m'ont payé le permis voiture et camion. Bah, ils l'ont jamais contrôlé. Et en plus, comme je disais, est-ce que vous avez été obligé de rendre? Il a dit non. Donc en vrai, après, si c'est une association, eux, ils s'en battent les couilles, tu vois. Ouais, 1500 balles. Bah, pour eux, ça se trouve, c'est rien, tu vois, si c'est des dons et ouais. Tout. Ouais, mais pour toi, c'est. Pour toi, bah, c'est pour moi, c'est. Ah, oh, bah, de ouf. C'est quoi, c'est 20 sachets de weed? Attends, à 78 ouais, c'est ouais. Ça, ouais, à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. De 20, ça fait 1004, donc ouais, 21, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. 20 pour vendre et 1 de conso. Ah, let's go. Ouais, moi je suis sur les derniers là. Ouais, moi ouais, c'est ça, il m'en reste une petite vingtaine là et j'ai fini. Ouais. Nickel. Voilà. J'ai l'impression que ça m'a bien payé celui-là. Ouais, moi je suis quasiment à 3000 balles là. Je suis à 2008. En vrai, ça va. Hein. Moi je pense que je vais pas. Ouais, vu l'heure, ouais, je vais. Moi je vais faire une petite sieste là. Et puis je te dis, je reviendrai vers. Je sais pas, vers 20h, un truc comme ça, un peu comme hier quoi. Ouais, moi peut-être vers 20h30. Moi voilà. Je verrai. Et puis bah si jamais ton contact il me répond, ouais. Bah j'irai tester, tu vois. Ouais. Je vais lui filer ton numéro direct et comme ça il t'appelle si... Ouais, de ouf. Il est chaud. Non, bah ça, 2955, ouais, vas-y, en vrai c'est propre. Il me reste 1000 balles, ouais, tu vois. Vas-y. Retour à la série du coup. Ah bah vas-y, go hein. Les sacs à moi. We'll be right back.
Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Encore des keufs. Bah, il y a une voiture là au fond. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une flash, non? Je sais pas, c'est bizarre. Change-toi, non? Ah putain, ouais, c'est vrai. Je suis con, moi j'allais partir comme ça. Yo! Bonsoir. Excusez-moi, messieurs. Oui. Parmi vous, est-ce qu'il y a un Hoffman Ryan? Ah, pas du tout, non. D'accord, oui. Et bonne journée. Ah, vous aussi. Tchou. Carter, il a digué direct que c'était moi. Ah, j'aurais dû dire oui. Comme ça, je vais chercher la caisse. Ouais, alors, à mon... Ouais, mais alors, si elle est ouais, là, à mon avis ouais, faire, ouais, ouais, ouais. Ah, non, mais je me dis, ouais, putain, je me suis fait voler ma caisse. J'ai perdu ma caisse en début d'après-midi. Ah mais non, parce qu'après il va me demander ma pièce d'identité. Bah ouais, c'est ça, il va te demander ton permis et tout machin. J'ai voulu drifter sur le dernier, mais j'ai vu un petit motard dans le coin, je me suis dit non, vas-y. Ouais, il y a un peu trop de véhicules, des trucs et tout qui traînent là, c'est chaud. Ouais, genre des bouches incendies quoi. Ouais, par exemple, ouais. Alors là, je vois que j'ai un MP sur Discord, 100%, c'est Sadi qui joue Carter. 100%. Vas-y, je te laisse sortir ton vélo. Ouais, vas-y, ça roule. Ouais, du coup, 20h30, 21h pour moi, ça sort. Ouais, vas-y, ça roule. Bah, tranquille. Bah, de toute façon, moi, je serai là, ouais, vers 20h, je pense, un truc comme ça. Donc, au pire, bah, quand tu finis ta sieste, tu m'envoies un message. Et puis, ouais. Moi, je te dirai ce que je fais si jamais je bosse ou si je suis à la Syrie ou si j'ai été contacté pour faire un extra, quoi. Limite, va voir avec les assos, là. Pour essayer de choper un peu de thunes. Ouais, pour les permis, ouais. Ouais. Ouais, 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 au pire, je vais le rendre. Le mec à la mairie m'avait fait un message là, Will Siegbert. Vas-y, j'essaierai ça, ouais. Je vais aller voir un truc vite fait et puis j'essaierai ça. Okay, et ça bah, va. Vas-y, à tout à l'heure. Ouais, à tout. Alors, j'aimerais juste voir un truc, j'ai eu l'impression de. De voir un truc là. Je sais pas où c'était, mais j'ai eu l'impression de voir une icône. Non. Ouais, non. En fait, j'avais l'impression de voir un truc genre. Comme une porte. Fait voir à l'armurerie du coup. Merde. T'en fais... Le Carter qui m'envoie t'es mal à gueule du type. Putain. Ouais, et puis tu peux en fait tu peux pas avoir les
Et je vais mettre un peu de... Je vais remettre un peu le... La playlist là, vite fait. Oh, il est quoi, 17h54. Attends. On va passer par Carson, hein. Celle-là, cette musique-là, elle est vraiment goldée. L'instru, comment il pose dessus, c'est vraiment trop chill. C'est vraiment trop bien. Forum dit. Personne. Je pense que ça doit être compliqué aussi pour les crimis avec la V3 d'allier les petites mains. Et le nouveau fonctionnement des bises qui a l'air quand même dur de ouf, quoi. J'aime bien poser mon perso à la plage. Ah, nickel. Je vais garer mon perso quelque part. Overdose de dopamine, je veux tous voir danser en solo, en groupe ou en duo, que mon temps puisse.
Allez. Allez, sauvegarde. Sauvegarde la position. Bon. Des bisous. Fais une petite pause. Du coup, j'ai rendez-vous chez le Toubib. Et je reviens tout à l'heure après avoir mindé. Ok ? Allez, des bisous. Et à toutes.